Cette rencontre en 2005, elle s'est passée dans un café-concert en Chartreuse. Yann faisait un spectacle en solo et à la fin de son spectacle, il a demandé si quelqu'un, ça arrangeait quelqu'un de prendre une guitare et puis de jouer un morceau quoi. Et donc voilà, bah, je me suis proposé. Il m'a prêté sa guitare et puis bah, du coup, vraie rencontre parce que je lui ai dit, bah, viens, on se fait un truc. Puis on a joué une heure et demie ou deux heures, quelque chose comme ça. From the prettiest girl to the biggest bomb, life can't be as easy as falling off a log. People say I'm colorblind, now that's all right with me. Musicalement, il y a un vrai truc qui s'est passé ce soir-là. Oui, oui, bah, sur scène, un mec il a pris les guitares et il m'a dit, voilà, suis-moi. Une musique un peu singulière, justement, souvent les gens disent ah, aux deux premières notes, on sait qui c'est quoi. Donc, ouais, mes influences sont vraiment, en tout cas, ouais, mes influences sont très diverses. Ça peut aller vraiment de Brassens au. Ouais, j'ai un t-shirt de Metallica. Ça peut être vraiment le rock français, le vraiment une grosse palette. Je me pose pas trop de questions en fait. Si j'aime, j'aime quoi. Voilà. Et puis voilà. Et puis après, je suis un vrai boulimique de musique. Donc j'en écoute beaucoup, j'en digère beaucoup. Et du coup, tout ça crée aussi. Et puis ce qu'apporte aussi Yann avec la Rodica, ça crée aussi nos influences et ça crée la cette espèce d'amalgame de musique qui crée la musique. Des fois, les gens posent la question, qu'est-ce que vous avez en plus qui fait en sorte que vous pouvez monter sur scène devant un public? Et en fait, c'est plutôt quand il nous manque quelque chose et on va sur scène à la recherche de cette chose. Bon, mon Genève, est-ce que tu es prêt à passer cette soirée avec nous? Ce n'est pas une réponse. Est-ce que tu es prêt à passer cette soirée avec nous? Genève! Pour monter sur scène, je pense qu'intrinsèquement, il te manque quelque chose, quoi. Tu vas peut-être chercher juste de l'amour, ou je sais pas, tu vas chercher des regards, de l'attention, ou je sais pas quoi, mais je pense qu'il y a de ça. Hein. Parce que si il te manque rien, à quoi bon monter sur scène devant 500 ou 1000 personnes et faire tes chansons? Tu les fais sur ton balcon, et puis c'est pareil. Quoi. Bah ouais. Là, tu le fais parce que t'as... Ouais, il y a peut-être un mélange de besoin de reconnaissance. Moi, pour ma part, je sais que je suis allé chercher, quoi. Je suis allé chercher... une espèce d'attention et de l'amour, tout simplement, en fait. Some folk are crying, the heart is lying, seeking love in vain. Children play, people pray, making change, making change. Moi, la musique, pour que ça me parle, il faut qu'il y ait un propos, il faut qu'il y ait quelque chose qui m'accroche, quoi. Il faut que le gars ait quelque chose à dire, peu importe ce que c'est, peu importe... Je suis pas forcément dans les combats ou dans les luttes, loin de là, mais un vrai... ouais, j'aime quand ça raconte quelque chose, que le mec, que le gars qui chante ou le gars qui joue, le gars qui est derrière sa batterie ou derrière sa basse ou derrière sa guitare ou l'armo,
qu'il ait une histoire à me raconter. Moi, je les ai rencontrés directement en studio. J'ai pas eu le temps de. Il n'y a pas eu beaucoup de préliminaires. On s'est mis tout de suite au boulot. Et en un quart d'heure, on s'est mis à jouer. C'était d'une évidence rare. Je pense que c'est. Et puis voilà. Et puis l'album a été fait comme ça, par instantané, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. Et tout sortait. Et puis il y avait une confiance, une écoute. Voilà, c'était un bonheur. Et puis au fur et à mesure que l'enregistrement avançait, ben, on se révélait tous, quoi, différemment. Quand on m'a parlé de Mountain Man, je ne connaissais absolument pas. Donc ma première réaction a été de dire, bah, envoie-moi du son. Donc j'ai reçu des morceaux et là, bon, ça m'a donné envie de voir ce que ça donnait sur scène. Donc je suis allé voir quelques bouts de concerts sur internet et là j'ai découvert De Barjo qui prenait le public, qui avait une relation avec le public qui était assez privilégiée. Et ça faisait longtemps que j'avais pas rencontré des gens qui refaisaient de la musique à la main. D'aspirine. Moi, j'aime bien penser que je suis un espèce d'aspirine. Toi, si j'arrive à enlever un petit peu le mal de tête des gens pendant deux heures, ben ça me. Oh,